Bonjour à tous, ici Cléa Sim. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Reus. Donc la dernière fois on avait réussi à débloquer un petit peu plus d'éléments dans cette toute première partie. Et il va nous falloir encore en débloquer un petit peu plus pour pouvoir passer aux suivantes qui seront un petit peu plus difficiles. Donc sans plus attendre, on va recommencer une nouvelle partie en mode 30 minutes encore une fois. On va voir comment cette fois-ci les villages vont se développer et ce qu'il va falloir faire bien sûr pour avancer. Oui, essayer de terminer différents développements pour débloquer de nouvelles possibilités et de nouvelles forces. Donc c'est ce qu'on fait avec certains objectifs. Alors cette fois-ci, dans les trois objectifs qu'on nous présente, on a toujours Civilized, avec donc finir une ère avec un village qui a 250 de prospérité. Le Fishing Village, donc avoir un village avec 200 de prospérité et 5 cases d'océan. Et enfin, un Fiscal Military State, donc c'est finir l'ère avec un village qui a 200 de prospérité, mais aussi 3 marqueurs de guerre. Donc on aura peut-être une partie un petit peu plus guerrière cette fois-ci. On va bien voir de quoi il en retourne. Alors c'est parti pour creuser notre premier océan. Je vais peut-être même essayer un élément un petit peu plus étrange. C'est d'agrandir encore cet océan pour faire qu'on ait vraiment un grand océan au milieu de la carte. On va changer un petit peu, toujours avoir des océans pareils, vous voyez. Comme ça, on aura un océan un peu plus large et peut-être un village qui viendra à s'agrandir le long de cette partie-là. Alors, voilà, le deuxième océan qui est en train de se creuser. Ah, on aura un sacré océan quand même. Et chose que j'avais pas remarqué, c'est plus l'océan est grand. Là, vous voyez, là, on a fait deux océans côte à côte. Plus l'espace qu'il y a peut être grand en fait. Donc on peut agrandir encore la surface de nos étendues, que ce soit en herbe ou en marais. Alors on va faire un marais de l'autre côté. Et on va se développer sur un village pour commencer. Et on va faire quelques animaux plutôt contre. On va essayer d'avoir le village pêcheur. Et donc, il va falloir fortement développer ce village. On va voir s'il va vouloir se battre également. Qu'est-ce que ça? Non, c'est juste la forêt, donc c'est rien de très important pour l'instant. Voilà, on rajoute un petit peu des animaux ici. Quelle est la symbiose? Donc à côté donc des animaux. On va voir où se place le village. Notre tout premier village. Voyons voir où il va se placer. En espérant qu'il se place plutôt proche de la rivière. Ça serait sympathique. Voilà, donc il a commencé. Alors il est pas trop proche, mais il va pouvoir se développer. Vous voyez, il est juste en bordure d'eau. Donc on devrait pouvoir le développer assez facilement, je pense. On va rajouter ici de l'eau. De ce côté-là, on va faire notre premier village à base de technologie. Voilà, déjà un premier village. Alors attendez, il se développe avec des blueberries, donc c'est ce que l'on a pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va voir comment ce village veut se développer. Alors ici, par contre, il va nous falloir l'aide. Voilà. De notre géant de l'eau, on va faire une montagne par ici, un petit peu loin, mais c'est pas très grave. Là, voilà. Et on va mettre une forêt qu'on va continuer jusque là pour l'instant. Et on verra comment on l'améliore par la suite. Donc là, on va avoir vraiment une planète un peu différente de ce qu'on a, ce qu'on avait fait les précédentes fois. Et c'est fait exprès justement pour pouvoir développer tout ça. Alors, on a une première construction, donc une école, qui nous demande de la technologie et de la nourriture. Donc, il va falloir faire de la technologie. Est-ce qu'on a... oui, ceci peut faire de la technologie. Donc, on va en mettre une ici, voilà.
Et après on fera le... On fera ce qu'il faut au niveau... Voilà. Alors, on avait dit de faire une montagne par ici. Voilà, donc là on est en train de créer un petit peu notre univers. On va voir bah, comment, comment tout ça se développe. Je vais même peut-être continuer... Hop là. Prendre celui-là. Continuer les marées un petit peu jusqu'au bout. Un nouveau nomade est arrivé sur la planète. Voilà, il aura de quoi se développer, de construire un premier village. Alors ici, il faut 15 et 15, et ce sera juste ce qu'il nous faut. On n'aura pas assez de nourriture, par contre, apparemment. Là, il nous faudrait un heure d'aspect que l'on n'a pas, je crois. Non, on ne l'a pas. Donc il va falloir faire de la nourriture, et ça, ça fonctionne sans symbiose avec de la technologie. Donc c'est pas trop ce qu'on veut, malheureusement. Il va falloir ben, soit que le village s'agrandisse, on verra bien ce que ça donne. Apparemment, il y en a qui ont l'air de parler un petit peu de guerre de ce côté-là. Il va falloir faire attention. Et on va voir comment se développe ce village ici. Alors, celui-ci va nous proposer quoi? Bon, on va faire un petit peu avancer pour avoir d'autres éléments. Alors, ça fonctionne en symbiose avec quoi donc? C'est pas vraiment annoncé, donc on va continuer, hein, à faire un petit peu de technologie. Voilà, ici. Et ben pour l'instant, ah voilà, on a un tool shop qui s'est créé. Il va falloir de la richesse. Donc on va faire venir notre géant de la pierre qui a fait normalement le désert. Ah, il n'a pas fini. Je suis allé un peu trop vite. Fini de construire ceci, s'il te plaît. Allez, construis une montagne et après on t'enverra. Voilà, comme ça on aura fait tout l'univers du jeu. Enfin, pour cette partie-là, en tout cas, il va en manquer un petit peu, mais on le fera ensuite. Voilà. Et on avait dit d'aller au deuxième village pour lui faire de la richesse juste à côté. Voilà, comme ça on aura ce qu'il nous faut. On va faire grandir un petit peu les plantes. Voilà, comme ça on aura des plantes un petit peu plus. Alors, ce village-là, maintenant, il a la nourriture nécessaire. Donc, il va pouvoir construire son école. Et vous voyez qu'il est déjà... commence à devenir un peu guerrier. Donc, on a la chance que des guerres se fassent. On pourra peut-être avoir un village avec 3 marqueurs de guerre. Donc, on va plus essayer de se porter dessus. Voir comment il évolue. Alors, à moins que ça se tasse, on verra bien. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix là. On va essayer d'avancer un petit peu comme on peut. Et surtout d'avoir des ambassadeurs pour pouvoir améliorer nos habitants, là, nos géants, pardon. Voilà, ça c'est fait. On va faire une autre montagne plus par ici. Comme ça, on aura vraiment un village du désert au milieu, une partie forêt, une partie marée. Et on verra bien comment ça va évoluer par la suite. On va peut-être... pour l'instant, lui demande de la nourriture et de la technologie. Ceci fonctionne si on a de la technologie avec. Donc, on viendra remettre une autre mine à côté. Pour l'instant... Ceci va demander un lesser aspect, un herd ou un hunt. On verra bien. Le hunt rapporte de la richesse, le herd de la nourriture. On améliorera peut-être ces éléments-là en fonction de ce dont on a besoin. Et ça, ça permet d'élever... Il faut de la richesse, de la technologie apparemment pour pouvoir justement passer au suivant, au shield labor. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Voilà, l'école est terminée. Donc on va y faire éduquer les enfants. Voilà, alors on a un ambassadeur de la forêt. Alors, l'exotique aspect, pas vraiment, non. Le fruit aspect est plutôt pas mal.
Le cristal aspect bof. Enfin, on s'en sert pas vraiment. Et le reaction aspect non. Bah, on va prendre le flute aspect hein, pour commencer. Ah, là, le taux de guerre est en train de diminuer pour l'instant. Donc, ils sont plutôt contents, ce qui est pas plus mal. Où en est-on au niveau. Bah, là, on a fini pour le village de ce côté-là. On va faire encore un peu de technologie ici. Donc voilà, notre géant est devenu plus puissant. Alors attendez, où est-ce qu'on en est maintenant? On pourrait essayer de construire un village ici. C'est ce qu'on va faire. Et on va plutôt faire... Allez hop, on vient par ici. Et on va créer un village qui va être plutôt porté sur les marchands. Donc un village marchand avec des animaux. Et on verra bien. On aura surtout trois villages, mais on va essayer de se débrouiller avec tout ça. Pour aller au mieux. Alors là, il nous manque un petit peu de richesse, mais on a suffisamment de richesse normalement. Il nous en faut 15. Ils devraient pouvoir réaliser correctement leur construction. Et là, on devrait avoir ce qu'il nous faut. Par contre, ils ont beaucoup à se déplacer. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Bien sûr, parce que quand on a moins de villages, ben, il faut leur faire faire plus de routes pour avancer. Voyons voir où on en est. Là, un leaf aspect, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ça, c'est en symbiose quand il y a de l'or à côté. Voilà, un village a été construit. Il faut des animaux à côté pour là. Et ici, avec quoi ça fonctionne? Avec un exotique ou un prédateur aspect. Donc on verra bien. Et ça fonctionne avec des plantes. Est-ce qu'on peut mettre des fruits? Oui, on pourrait mettre des fruits. Donc c'est ce qu'on va faire. Et de ce côté-là, on va rajouter plutôt des animaux pour faire améliorer la richesse de la mine. Et on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, le village ici est bientôt terminé. On a construit encore un trade post. Donc en général, les villages du désert sont plutôt portés sur la richesse. On a réussi notre construction de ce côté-là. On va construire ici. On va nous faire une petite mine pour la richesse. Donc les villages commencent à être plutôt heureux, hein, tous un petit peu. Là, ça a encore augmenté par contre. Donc il va peut-être partir à la guerre, on ne sait pas trop. Il nous faudrait quoi ici? 30 d'or, 30 de technologie et... Du haut, on n'a pas pour l'instant, donc je pense que ça ne devrait pas augmenter. Voyez, ça permet en fait au haut de le village grandit plus vite, sans mais bien, ça fait monter le village grandit plus vite, mais en contrepartie, ils deviennent plus greedy, bien greedy plus rapidement. Donc ça, c'est dû à la construction elle-même. Donc il faut faire un petit peu attention, ça peut devenir très gênant à force. Suivant ce qui se passe. Donc c'est pour ça que le village, vous voyez, qu'il commence à devenir guerrier. Et on va voir bah, si on obtient vraiment notre premier village guerrier avec nos premières guerres qui vont se réaliser. On verra bien quels sont les objectifs. Ah, j'ai un géant. J'ai oublié le géant. Eh ben, on va prendre comme ça. Et on va faire un heure d'aspect là où on peut. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un heurt d'aspect sur ces éléments-là? Je ne pense pas. En tout cas, on avait un heurt d'aspect sur les lapins. C'était possible. Ici. Ah non, c'est même des poulets. C'est même pas des lapins. Après, ça devient des lapins, pardon. Donc on va bien voir comment ce village évolue. Vous voyez qu'il commence à devenir très très greedy. Commence à vraiment pouvoir partir faire la guerre. Donc on va bien voir ce que ça donne pour la suite. On va se laisser développer, voir nos premières guerres qui vont se réaliser, je pense. Et de ce côté-là, il leur manque de la richesse. Non, il leur en faut 30 pour avoir le trade post. Donc ça devrait se passer sans trop de problèmes, je pense. Il leur manque par contre un peu de nourriture, je pense. Et ça pourrait se développer avec de la richesse autour. J'avais mis de la nourriture ici ou pas?
Il nous faudra un Leaf Aspect et c'est lui qui l'a. Donc on va rajouter un petit peu de nourriture. Et de cette façon là, ben non, même pas de nourriture, mais on a eu de la technologie. Bon, on verra s'ils en ont besoin en tout cas. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. On va pas construire d'autres villages, donc on va éviter de mettre des ressources en dehors des villages pour justement construire que ces villages n'apparaissent pas. Là, il est devenu un peu plus guerrier. Ah, la nourriture a diminué malheureusement. Il faudrait un heure d'aspect. Encore. Est-ce que je peux en faire un autre? Oui. Et on va avoir... Non, je ne l'ai pas fait. Si, si, pourquoi il ne veut pas se développer? Je ne sais pas. En tout cas... il faut un autre lapin dans les lieux. Ah, il faut quelque chose peut-être de mieux que le better aspect, que le air d'aspect, qui ne veut pas faire quelque chose pour l'instant. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas s'augmenter. On va plutôt essayer de faire de la nourriture par ici. Éviter qu'il diminue en nourriture. Bon, ça va les faire monter en village guerrier, mais bon, on va bien voir ce que ça donne en tout cas. Ils deviennent un peu moins contents, ça c'est sûr. Alors, les autres villages, comment ils se portent? Bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller plutôt bien pour ce village-là, qui a l'air d'être plutôt calme. J'avais fait pas des animaux ici? Si, voilà, les animaux qui vont être réalisés. Par contre, il va falloir faire attention que le village ne se développe pas de ce côté-là. Et bah, on va faire un petit peu... de technologie ici. Vous voyez que le village a commencé à prendre un petit peu sur l'eau, il commence à grandir de ce côté là aussi, tout doucement. Le trade post a été construit, donc ça c'était pas trop compliqué encore à réaliser, c'est plutôt pas mal. Alors on en est, ce village qui est en train de se battre, enfin, en train de s'améliorer doucement. On va voir pour l'améliorer un petit peu quand même. On sait que, vous voyez qu'il y a une amélioration avec les villages quand ils deviennent des strawberries en fait. Le village, ça devient un petit peu meilleur. Il y a une symbiose en fait entre les... Voilà, comme ça, vous voyez, tout de suite on a plus de nourriture. On va voir si ça continue. Ce village, vous voyez, qui est en train de grandir de ce côté-là. À faire, ouais, ça le fait, vous voyez, mettre beaucoup de nourriture, ça le fait grandir de façon irresponsablement vite, et donc forcément ça peut forcer à ce qu'il devienne encore plus greedy par la suite. Donc il faut faire attention à ce genre de choses, mais là on s'en soucie pas trop puisqu'on essaye justement d'avoir des villages soit qui sont guerriers, soit qui sont bons au niveau d'un océan. Ouais, ils ont commencé à construire une baraque, donc là on va avoir un élément qui demande beaucoup de nourriture. 80 nourriture, c'est vraiment beaucoup. Voilà. 80 nourriture. J'ai pas regardé d'ailleurs ce que faisait le message. C'est un peu idiot de ma part. Mais en tout cas, alors avec quoi ça augmente? Avec des dandelions ou des strawberries. Donc là, on aura la nourriture, je pense. Mais il faut 80 nourriture et au moins une guerre de gagner. Donc on va essayer de les laisser devenir de plus en plus greedy. Non, ce village-là, on ne le veut pas. Parce qu'il va être un peu gênant. Voir, on va peut-être le laisser, voir si nos géants viennent à s'en prendre à eux et viennent les, bien, si nos, notre village là vient les attaquer. On va bien voir ce que ça donne. On a une église en construction, donc pourquoi pas. Voilà, apparemment, vous voyez, ce village là est en train de partir en guerre pour attaquer celui-ci. Donc on va bien voir s'ils vont gagner leur première guerre. On va les laisser faire, hein, c'est puisqu'il faut pour pouvoir améliorer ce village qu'il y ait au moins une guerre de gagner. Et comme ce village-là a l'air de les déranger, eh ben, il va y avoir une guerre. Donc vous voyez, ce village-là va devoir se défendre.
Et vous voyez que le village s'est fait détruire petit à petit. Et je pense qu'ils vont gagner leur première guerre. Donc, voici un petit peu comment se passent les guerres. Par contre, il est vraiment pas content ce village. Il va falloir faire attention. Vous voyez, ils commencent à... Ils en veulent plus de la part des géants. Mais oui, mais on peut pas faire bien mieux pour l'instant. Est-ce qu'il y a du lapin à proximité? Est-ce qu'on peut faire d'autres animaux ici? On va essayer, hein. Mais ils commencent, vous voyez, ils vont peut-être à force s'en prendre à nos habitants, donc il faut faire attention. Ils n'ont pas gagné une première guerre. Et ici, le géologiste a été construit. Alors, ça nous demande de la richesse, beaucoup de richesse. Ça nous demande de la technologie. Trois morceaux de montagne à côté. Et au moins 3 mines. Alors par contre, là, ça va être un peu compliqué. Ils sont vraiment très loin pour ça. Ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Il faut au moins 3 mines. Malheureusement, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. On va leur mettre au moins des mines. Et puis, on va voir si on arrive à obtenir un petit peu tout ce qu'il nous faut. Alors... Ah non, apparemment ce village a gagné la guerre quand même, ils ont réussi à gagner la guerre. Bravo à eux. Mais ils nous gênent pour la construction de ce village là. Donc on va enlever ce village, voilà, comme ça. Dommage pour lui, mais il nous faut avancer. De la nourriture. On va plutôt faire, comme il faut de la technologie ici, on va plutôt utiliser, faire ceci. Donc il faut un leaf aspect et je vais le faire ici. Et on va remettre ici de la nourriture. Parce que comme on va en enlever, ce village là est en guerre avec Redom Tribe par contre cette fois-ci.